Sur ces images amateurs filmées dans la nuit de jeudi à vendredi, le radar tourelle de Goyave, en proie aux flammes, juste avant l'arrivée des pompiers vers 1h du matin. Wouah, le radar de Goyave. Ça y est les gars. Le lendemain, les dégâts sur le dispositif de contrôle nouvelle génération semblent irréversibles. Entre les pièces électroniques au sol et les vitres brisées, la scène laisse place à l'investigation des gendarmes et techniciens en identification criminelle. En début de semaine à Saint-François, un autre de ces radars tourelles a subi lui aussi de fortes dégradations, avant d'être rapidement remplacé. Jeudi, une tentative de dégradation par le feu a été stoppée à temps par la police, au niveau de Capesterre-Belleau. Interrogé sur notre antenne avant la multiplication de ces actes, le préfet de la région Guadeloupe rappelait l'importance du déploiement de ces radars sur le territoire. Moi j'aime bien les gens qui disent on veut pas de radars tourelles, mais qui n'ont aucune pensée, mais vraiment aucune. Pour les... Nous sommes aujourd'hui, le compteur malheureusement a encore marqué une minute cette nuit, à 46 morts. Soit 2 à 3 fois plus d'accidents, je ne dis pas sur le reste de la République, mais plus de 2 fois plus d'accidents qu'en Martinique. Mais moi, mon objectif, il est clair là au-dessus. Il est de sécuriser, sauver des vies, accessoirement. On parle beaucoup aussi des morts, on oublie tous ceux qui seront marqués jusqu'au reste, jusqu'au leur dernier jour par un accident grave, eux ou leur famille. Et puis, c'est de pacifier les routes de Guadeloupe, parce qu'aujourd'hui, elles ne le sont pas. Dans un communiqué publié mercredi, la préfecture rappelait les peines encourues pour la détérioration de biens publics. L'infraction peut être punie de 5 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende. Une enquête judiciaire est en cours pour tenter d'identifier les responsables de ces actes.